Coucou les choupis, c'est Shannon et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo Playmobil et la vidéo va s'appeler Chloé embête ses frères. Avant de commencer la vidéo, c'est les dédicaces du jour. On fait plein de gros bisous, mouah. Allez c'est parti, go. Go. Oh là là, je m'ennuie, j'en ai marre de jouer avec la poupée. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Ah, c'est trop bien de jouer aux angels, mais je m'ennuie encore. Oh là là, je m'ennuie. J'ai rien à faire. Quelle vidéo je vais regarder? Je sais pas moi, il y en a plein. Je sais pas quoi faire en plus. Je m'ennuie, j'en ai marre de jouer à l'ordinateur ou regarder des vidéos. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Oh là là. J'ai une idée. Je vais embêter Lucas et Quentin. Je vais leur dire d'aller dans le salon avec papa. Et moi, je vais faire du bazar dans leur chambre. Et après, je vais crier « Maman, Lucas et Quentin, ils ont fait du bazar dans leur chambre. » Ça va être trop bien. Lucas, Quentin, vous voulez regarder la télé à votre dessin animé préféré? Oh ouais, trop bien. Ben moi, j'y vais. Moi aussi. On y va. Ok, moi je vais jouer dans ma chambre. Papa, il y en a des animés préférés, on peut regarder. Ok, moi je vais regarder mon journal dans ma chambre. Pour pas vous déranger. Ok. Bon, je vais dans la chambre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine? Ah, il y a des voitures, il y a plein de choses. Allez, je vais commencer à lire. Allez, c'est parti, on va bien rigoler. Allez, on commence par le meuble. Je vais tout enlever dedans. Ah, y'a, trop bien. J'ai tout mis par terre. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ah, la table. Ah, y'a, plein de bazar partout. Bon, je pense que je vais arrêter. Parce qu'après, ils vont croire que c'est moi. Ça va être trop rigolo. Bon, si j'y vais. Je vais aller dans ma chambre et je vais crier « Maman ! Maman ! » Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je te montre un truc. Ok, j'arrive. Maman, regarde, Lucas et Quentin, ce qu'ils ont fait. Je l'ai cherché et après, ils ont fait le bazar dans leur chambre. Je l'ai cherché et après, j'ai vu leur chambre, elle était comme ça. Ils vont avoir une grosse punition, hein? Je les appelle? Oui, vas-y. Lucas, Quentin, maman vous appelle. Pourquoi? On a fait quoi? Viens, elle vous appelle, je sais pas pourquoi. Venez, elle va vous dire un truc. Attends, on finit notre épisode. Mais tout de suite, elle veut que vous venez tout de suite. Ok, on arrive. Ok. Lucas, Quentin, c'est quoi ce bazar? Mais c'est pas nous! Ouais, c'est ça, c'est Chloé peut-être. C'est pas sa chambre. C'est pas nous qui avons fait ça? Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être Chloé, non? Non, c'est pas sa chambre, c'est vous, c'est votre chambre. Donc c'est sûr c'est vous qui avez fait ça. Et dans 10 minutes, si c'est pas rangé, vous aurez une grosse punition de 2 mois. Oh non! Si. Allez, vous avez 10 minutes. Quentin, tu ranges tes jouets et Lucas, tu ranges tes jouets, d'accord? D'accord. Je vais me doucher et dans 10 minutes, je sors. Et si c'est pas rangé jusqu'à la fin, vous aurez une punition de 2 mois. Oh non! Bon, je vais me doucher. Le plan marche comme sur des roulettes. Ils se sont fait crier dessus et dans 10 minutes, si c'est pas rangé, ils auront une grosse punition de 2 mois. C'est trop bien! Ça se fait pas, c'est pas nous qui avons fait ça et c'est nous qui devons ranger. C'est sûr, c'est un coup de Chloé. Ouais, t'as pas tort. On va se venger. Ouais, mais si dans 10 minutes t'es pas prêt, on aura une grosse punition de 2 mois, je te rappelle. Bon, on va faire tout pour que Chloé range à notre place. Elle voudra jamais. Ouais, t'as raison. Bon, on range vite, hein.
Mais on perd du temps, tu parles. Ouais, c'est ça, c'est toi qui parles. Mais... Bon, moi je range mes jouets, tu ranges les tiens, ok? Ok. Bon, c'est bon, je me suis douchée, maintenant je vais mettre ma robe. Bon, c'est bon, maintenant je vais voir si Lucas et Quentin ont fini de ranger. Allez, vite, vite, vite. Ok. J'entends maman arriver, oh non, c'est trop tard. Pourquoi c'est pas rangé? Vous avez une punition de 2 mois. Oh non, mais c'est bon. Vous avez fait quoi encore? Vous avez parlé, vous avez perdu du temps, c'est normal. Parce que 10 minutes plus tard, vous aurez fini. Mais c'est pas nous en plus. De quoi? Qui avons fait le bazar dans la chambre. C'est pas nous. Arrêtez, je sais que c'est vous, c'est votre chambre. Vous avez une punition de 2 mois, mais vous continuez à ranger. Fou. Bon allez, je vais regarder un peu la télé. Bon, c'est bon, on a fini de ranger. Ouais. Mais on est quand même puni de 2 mois quand même. Ouais, c'est pas juste. J'ai une idée. Quoi? Si on faisait le bazar dans sa chambre. Comme nous, elle nous l'a fait. Pas bête ça. On peut faire le bazar dans sa chambre, tout mettre par terre. Après, c'est elle qui est punie de 2 mois. Trop bien. Allez, viens, on y va. Ok. Alors, on commence par quoi? Je sais pas, moi. Je sais, on va déjà enlever tout du meuble. Ok. C'est bon, on a fini. Ouais. Maintenant, on va dans notre chambre. Et après, quand elle va arriver, elle va crier comme une folle. Et on se fera pas punir. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. Ok. Bon, je vais aller dans ma chambre. Regardez les dessins animés dans ma chambre. Ah! Ma chambre! De Lucas et Quentin, ça! Lucas! Quentin, venez tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ma chambre! Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a, ta chambre? C'est sûr, c'est vous qui avez fait le coup! Mais non! Ben moi, c'est moi qui ai saboté votre chambre! Ah, on savait que c'était toi! Tu vas payer! Ah! Aïe, lâche-moi! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui nous a saboté notre chambre. Et c'est eux qui ont saboté ma chambre. Ça suffit, j'en ai marre que vous vous disputez. Vous avez une grosse punition de 2 mois, tous les trois. Non, de Quentin t'as rien fait, mais quand même 2 mois parce que vous avez saboté votre chambre. Mais c'est pas nous, c'est Chloé. Mais c'est eux qui ont saboté ma chambre. Ben vous êtes punis tous les deux, voilà. Quentin il a rien fait lui. Nananinanero, nananinanero. Arrête Quentin. Allez, maintenant Chloé et Lucas, vous allez ranger la chambre de Chloé. Ok. C'est ta faute. Non, c'est la tienne. Bon, maintenant tu m'aides à ranger ma chambre. Non. Mais c'est toi qui l'as saboté ma chambre. Mais ça se fait pas, je t'aide pas moi, c'est pas ma chambre. Mais ça se fait pas, aide-moi. Ok, t'as de la chance. Ah, ouf. Bon, c'est bon, on a rangé. Ouais, on a rangé. Merci de m'avoir aidé. Bah, de rien. La prochaine fois que vous faites le coup, que vous faites le bazar dans ma chambre, vous allez le payer. Mais c'est toi qui as commencé. Pas faux, pas faux. Ben nous aussi, la prochaine fois que tu fais ça, tu vas nous payer aussi. On fait la paix? On fait la paix. Et moi? Mais t'as rien fait, Quentin. Ouais, il a rien fait. Maman, c'est moi qui ai fait le bazar dans la chambre de Lucas et Quentin. Ah, merci de me l'avoir dit. Et c'est Lucas et Quentin qui ont fait le bazar dans la chambre? Oui, mais ils se sont excusés. Et moi aussi. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas punis. Je vous retire votre punition de 2 mois. Mais la prochaine fois que vous faites ça, vous serez punis. D'accord? D'accord. Lucas, Quentin, j'ai dit à maman que c'était moi qui avais fait le bazar dans votre chambre, mais on n'est pas punis. Ouais, on n'est plus punis. Et là, elle a dit la prochaine fois qu'on fait ça, on est punis. Ok. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit peu de like. Ciao les choupis, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.